Salut à tous et à toutes, c'est Nurgle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DayZ. On est sur une nouvelle map, donc elle s'appelle Iztek, je sais pas si je le prononce bien. Mais voilà, c'est une nouvelle map qui a popé il n'y a pas très longtemps. Donc une map assez sympa, elle ressemble un peu à Banov. Mais un peu plus, je pense, un peu plus forestière, on va dire. Donc pareil, il y a un bunker à découvrir avec une base où c'est qu'on peut trouver un bunker secret ou je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, il y a une espèce de bunker. Alors je sais pas si c'est extraterrestre comme Banov, je sais pas du tout. Donc voilà, c'est une petite map que j'ai sur le coin de l'œil depuis un petit moment. Donc je vais essayer de tout simplement de vous faire déjà. Oh, hello. Hello my friend. Hello my friend. How are you? Fine, fine. Okay, nice. Donc le serveur il est blindé, on est 50. Donc je pense que ça va être très difficile à trouver de la bouffe et tout ça. Donc je voulais la découvrir avec vous, vous la faire en vidéo. Donc si elle vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une aventure dessus ou juste une vidéo découverte tout simplement. Ou est-ce que vous voulez que je fasse une aventure avec Barjo? Donc on va explorer, on va essayer de voir sur cette première vidéo, de voir un peu surtout l'environnement de Iztek. Et voilà, voir un peu si on peut trouver des trucs sympas et si ça peut vous inspirer à voir peut-être une aventure sur Iztek. C'est vous qui me le direz. Parce que c'est vrai qu'on a entamé énormément d'aventures sur DayZ, entre Namalsk, Tchernarus, Banov. Oh putain. Ah oui, je les avais pas vus, ces deux-là. On va aller. Okay. Donc par contre. Ah oui, je saigne. Donc par contre, je sais pas du tout où je suis. Je connais pas du tout la map. Donc je pense que ça va être un peu compliqué. Quand on attaque au spawn, on est en manque d'eau. Il y a un manque de nourriture. Et comme vous avez vu, le stuff, il y a quasiment rien. Donc je pense que ça va être un peu la galère. Aussi, on est sur la nouvelle mise à jour, la 1.15. Donc j'ai vu comme ça, vite fait, qu'il y avait, deux hogs qui étaient sortis. Ensuite je crois qu'il y a un nouveau skin féminin. Et après j'ai pas trop suivi ce qu'il y avait. Mais après j'ai pris les... Oh, il y a des tomates là-bas. J'ai pas trop suivi, mais j'ai lu en gros les lignes les plus importantes. Allez, bon mon petit gars, on va aller chercher des tomates. Voilà, on va boire ça. On va pas trop se blinder non plus. Récolter. À maintenir. Oh oui. Ah ouais, d'accord. En fait, il faut appuyer une fois pour récolter les trucs. On va pas. Bon, on est pas mal là. Ouf. Ouais, on est pas mal. On va reprendre une lignée. Et celle-là, on va se la bouffer. Bon, on n'est pas en manque de bouffe. Là. Déjà, c'est pas mal. Oh putain. Après je pense que ça va pas nous nourrir beaucoup. Ça va nous filer peut-être surtout de l'hydratation. Euh,
Alors, le serveur est en première personne. Oh, pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Pourquoi ? Je vais prendre le t-shirt. Si on trouve un couteau comme ça, je le couperai pour faire des rags. Ouais, tuyau. Je sais pas s'il y a une carte. Non, il n'y a pas de carte. Donc là, je sais pas où je vais. Hein. Je pars à l'aventure. Je sais pas trop ce qu'il en retourne. Je sais pas trop où c'est que je vais. Hein. Alors, vous m'avez dit aussi dans les commentaires que il fallait que je prenne plus le temps de looter. Que je passais à côté de beaucoup de choses. Donc, je prends compte de tous vos conseils. Ok, on va se remanger une petite Qu'est-ce que tu fais? Mange ta tomate, t'énerve pas. Ok les amis, je vous reprends. Donc on arrive dans une ville. J'ai marché un petit bout de temps, mais heureusement que j'avais mes petites tomates qui m'ont fait du bien. Ça m'a aidé. Donc là on est à une église, je pense que c'est une petite ville. On dirait qu'il y a une espèce de camp militaire là-bas, mais j'en suis pas sûr. Il y a une église là où on peut rentrer. On va aller voir. Ah oui. Ah ouais, c'est sympa. On surplombe quoi là? Ouais, ok, c'est pour monter au clocher. Ok. Ouh, ça a pas l'air très grand. On va looter les bagnoles. Il y a rien en fait. Je vais aller voir cette baraque là. Ah, il y a du zombie mort, donc il y a du joueur. Va falloir faire gaffe. Ok. Une tente. Bonnet. On m'avait dit derrière les portes aussi, des fois il y a du loot. Je vous écoute. là-bas, je sais pas trop ce que c'est. Il y a du zonzon. Ok, il y a un poulailler là. Un truc. Ok, ah ouais, il y a une boîte là. On va faire le tour, voir si on peut pas trouver quelque chose là. Oh, ça a été pillé, mais pillé quoi. Un zombie mort là. Il y a des potes, il y a des balles. Oh, ça je prends. J'ai pas trouvé un couteau, j'ai rien trouvé quoi. Pour l'instant, c'est. Oh, c'est la misère. Il y a un zombie là-bas. Oh là là, y a rien. Ah ouais, les maisons d'Arma 2. Je sais pas si ceux qui se souviennent d'Arma 2, sur les modes DayZ, c'est ces maisons-là. Ils ont repris des vieilles maisons d'Arma 2. C'est quoi ça? Ouais. 30 slots, il a 30 slots mon truc aussi.
Oh là là, il n'y a rien quoi. On va se remanger une tomate. Ah, je l'ai pas prise. Une pied, molette, ok, super. Oh, il y a un zombie mort là. Ah, je suis quelqu'un. Hein. Ce bâtiment me dit quelque chose, je l'ai déjà vu peut-être sur un mode Daisy Arma 2, pareil aussi. Il me parle ce bâtiment là. Ou sur Daisy Standalone, je sais pas. Mais le bâtiment me parle. Ah si, ça loot. Ah, intéressant, si ça loot. Ah, il y a un mec là-bas. Ah, il a une hache. Ok. Je pense qu'il a fait l'aspirateur. Je pense qu'il m'a tout piqué. Super. Rien du tout. Il y a un gros sac là. Ok. On va essayer de faire un maximum de trucs. On va essayer quand même de s'équiper. De pas tomber sur un mec qui va nous pulvériser la tête en deux. Ou un zombie d'ailleurs. Ah, y a un comico. Ouais, il a été au comico le mec. Alors ce qu'on va faire, on va pas aller au comico. Il m'a levé la main, il s'est barré. Je pense qu'il est comme moi, il a vu l'autre, peut-être qui était un peu plus équipé que nous, et il s'est dit... C'est un coup à se faire éclater. Oui, il est ça. Oh, il y a du zombie, hein. Il y a du monde, on croise du monde depuis tout à l'heure. Les mecs ils sont en galère, hein. Ils sont comme moi. Je pense. On va aller looter ces baraques. Allez, donnez-moi quelque chose de sympa. Ah, optimal. Ouais, je préfère ça quand même. Petite veste verte, là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça. Ah.
Allez, mamie, calme-toi. Mamie, chut. Bon, il faut que je trouve un couteau. Oh, j'ai plus de rax. Oh ouais, pas mal, pas mal. Le petit masque. Il manque plus que la chèpe. Oh, la chèpe. Oh, c'est mon skin, ça. Ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps sur Daisy. Petit masque. Chèpe. Il me manque plus que les gants. Et je suis full stuff, comme je disais avant. Je suis full stuff. C'était mon skin de Daisy. Qu'est-ce qu'a fait Micheline là? Ok, je vais passer par derrière. Hop là. Et on va aller looter un peu plus loin. Ouais, par contre, je vous dis, voilà, elle est pas trop finie, la map encore. Mais ils ont assez bien taffé quand même. La map est sympathique. Après, le serveur où je suis, il est toujours blindé. C'est un serveur à 50 slots. Et il est toujours, toujours, toujours blindé. Hein. Bon, ok. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je vous récupère un peu plus tard. Ok les amis, je vous retrouve. Bon, bon, bon. Comment vous dire? Je crois qu'on y est, à cette espèce de bunker. Sauf que j'ai absolument rien. Ça a été involontaire hein, de débouler ici. Parce que je savais même pas où c'était. Et je me souviens tout simplement de la vidéo. Donc autant vous dire que... Autant vous dire que j'étais très surpris de retrouver le bunker. Donc on est au bunker. Je crois qu'il y a des zombies là. Oh, c'est blindé de zombies. Vous savez quoi? On va courir. Mais on va courir très vite. Vous allez voir ça. Même si un mec, c'est pas grave. On s'en fout. On court. Vous allez voir ce bunker. Oh putain. Ouais, je pense qu'on va mourir. À cause des zombies. Ah ouais, mais je pense qu'il faut... Ah ouais, il faut une lampe. Je crois qu'il faut... Ah ouais, il faut des... Ah ouais, il faut une lampe. Merde. Oh merde. Ah, je vais mourir. Ah, je suis mort. J'avais rien du tout. Je suis désolé, les gens. Je vous ai fait espérer un truc. Une mort de merde. Oh putain.
Mais en tout cas, je l'ai trouvé. Vous avez vu, c'est un bunker. Je pense qu'il n'est pas fini encore. Mais en fait, il y a un truc à découvrir. Et il est immense, en fait, ce bunker. Il est vraiment immense. Donc voilà, mais c'est vrai que je m'en suis rappelé une fois que je suis arrivé à l'entrée, il faut une lampe, sinon on voit que dalle. Ben là, je vais pas me réveiller, je pense pas. Mais on va s'arrêter là. Donc je vous ai. Et on a eu de la chance d'y tomber dessus. Ah ben ouais, voilà, je suis mort. Voilà, je suis mort. Ouais, je pense que je vais mourir. Et j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur le bunker. Et je l'ai même pas cherché, je savais même pas où j'allais, je connaissais même pas la map. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo va s'arrêter là, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu, cette petite découverte. Voilà, vous avez vu pas grand chose, mais pareil, c'était juste pour voilà une vidéo pour vous dire qu'il y a une map qui existe, c'est Eastek. Là, vous avez vu un peu l'environnement de la map et vous avez vu l'entrée du bunker. Donc voilà. Mais c'est une petite map assez sympa. Il y a beaucoup de monde qui joue dessus. Ah mais je suis mort. Cette fois-ci, je suis mort. Donc voilà, c'est encore une map à découvrir, mais je pense qu'il y en aura plein, 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 plein d'autres qui vont sortir. Plus ça y va, plus il y a des maps vraiment sympathiques. Donc on retournera sur Banahov, sur Tchernarus, sur Nalmarelsk et tout ça. Donc en tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Je vois que ça vous plaît parce qu'en fait, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc merci à vous tous. Je vous dis prenez soin de vous, c'était Nurgle. Ciao, ciao à tous. Thank you.